Bien oui, bienvenue sur Terre Éternelle du Conseil Galactique Temporel. Pour le 13h, en ce dernier vendredi très saint de l'an de grâce 2018, vendredi d'août, et ça tombe le 31. C'est un vendredi 13 à l'envers. C'est le bonjour avant d'entamer la sortie, là, c'est pas la rentrée. Là. Il reste un week-end pour réfléchir. Ceci est un message planétaire à traduire et à diffuser partout. C'est maintenant l'instant où tout le monde arrête de payer les impôts, les machins, les trucs de tous ces états corrompus qui nous gouvernent, qui nous gouvernementent. Nous, on veut un gouverne vrai, pour l'appliquer. Nous sommes donc le 31-8, la température extérieure est de 28 degrés. Et bien, il est maintenant 13h02, à l'horloge de là-bas. Tout ça pour dire quoi? Que veux-tu qu'il fasse si tout le monde arrête de payer ses PV, ses impôts, à la limite le loyer, et encore, la terre elle devrait être gratuite pour tout le monde, l'eau, tout devrait être gratuit en fait. Hier on a vu les abeilles, mais c'est comme les fourmis. Imagine que chaque fourmi elle bosse que pour sa gueule. Ce que vous faites, tous les abeilles, elles sont mises en grève, c'est pas pour rien. On va commencer les 4 mois en R. C'est les 4 mois où tu râles, où t'en as marre. Tu vois, pour tout le monde, t'en as marre. Alors, c'est le début de la grève planétaire. En même temps. Mieux vaut faire caisse commune que fosse commune. C'est tout. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de voleurs. Ok ? Les 4 mois en R, c'était les mois des fruits de mer avant. Ça non plus, ça n'existe plus. Avec les huîtres triploïdes, les machins, et oh. Et... je suis pas venu sur Terre pour recommencer une année pareille, là, encore. Hein. 2019, non. On repart à l'an zéro. Hein. Tu vois ? C'est important. Faut pas aller trop vite. Construire des nouvelles écoles où on apprend l'âme et la résonance. Le monde ancien s'en est allé. Tu vois. C'est comme si je reprenais du trust et je disais maintenant, je sais maintenant avec solitude ce qu'est la certitude. On va droit dans le mur. Faut plus les laisser faire, même pas chez Bouygues. Et le feu est à l'orange. Transmission. Pensez que vous allez comprendre que vous comprenez rien. De plus, j'exige une enquête sur le groupe sanguin de tous les hommes politiques, de tous les présidents sur toute la planète. Je veux savoir leur groupe sanguin. Depuis que je suis né. Moi, je suis né sous Pompidou. J'ai eu droit à Giscard. Jusqu'au Macron. Hollande, c'était Poupon. Bon. Il était là en remplacement de DSK parce qu'il avait cassé la boîte noire. Ceux qui ont gobé le 11 septembre, les tours, c'est une putain d'escroquerie. C'est la plus grande EGM du monde, enculerie galactique mondiale. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a un esprit dans le bocal où il n'y en a pas. T'es un esprit incarné ou t'es une viande sans esprit. C'est la différence entre le dualisme et l'individualisme. Il faut trancher le nœud gordien. Je vous dis que si tout le monde arrête de payer ces états corrompus qui vendent les armes et les guerres, et, hein, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Il faudra bien qu'ils prennent dans leur caisse pour payer leurs fonctionnaires. Qu'est-ce qu'il sait faire ton fils? Rien. On va le mettre à la mairie. Qu'est-ce qu'elle sait faire ta fille? Rien. On va la mettre secrétaire. 4 papiers à remplir par jour. 4 timbres à coller. Au bout du 5e, il y a une tendinite. J'ai
j'exagère presque, ou si peu. Donc, c'est pour l'humanisme. Le dernier train, le train du capitalisme, il va le jeter dans un grand droite, comme les autres. Pour ça aussi, au bulldozer de Trust, il faut qu'il raccroche les cinq wagons qui sont les cinq continents. Pour l'instant, je m'énerve pas, j'explique. C'est le coup de départ de la révolte planétaire, de la grève planétaire. Jusqu'à temps qu'ils se cassent tous et qu'on mette le nouveau système en place, l'humanisme. Un petit peu pour tout le monde. J'emmerde tous les milliardaires tant qu'ils n'auront pas rendu le pognon au TPU. Trésor public universel, c'est vrai, non ? Ouais. Je pense que je t'explique. Il y a une troisième couche au cerveau. C'est la subconscience. Il parle de l'inconscient collectif. Et moi, je vous parle du subconscient collectif. La noosphère. Qui pourra leur dire ? Ben, c'est moi. C'était un 8, 28 degrés. Ça, genre 8 ou 9 maintenant. Qui pourra leur dire ? Bon. Dieu, ça veut dire directeur d'adduction d'énergie universelle. Les trois monothéistes, c'est pour diviser pour mieux régner. En attendant, Mahomet, il est mort naturel. Tandis que Jésus, ça veut dire je suis Christ, et je suis Christophe On, plutôt On en ce moment. Et bien de ce côté-là, ils ont cloué leur chef. C'est eux qui ont mis les bandits au pouvoir. Barabbas, même lui s'est pendu. Les Japonais avant, ils savaient se faire harakiri. Le groupe sanguin de tous les chefs de francs-maçons aussi. Fini là les matérialistes capitalistes. Tout le monde un petit peu. L'âme, ça se vend pas. L'âme ne se vend pas. Tout ce que vous faites pour vendre, c'est de la merde dans la mesure où c'est fait pour faire du profit et du bénéfice. Pour engraisser un industriel foireux de merde. Aussi creux qu'un champ de bambou, aussi béreux qu'un champ de navet. Non, là je dis stop. Sur toute la planète. Il n'y a toujours pas de raison qu'il y en a qui chient sur un chiotte en or massif et d'autres qui n'ont toujours pas de papier pour se torcher le cul. Pas compliqué, on a tous un trou au cul. Autant faire du bon engrais, autant chier de la bonne merde. On est tous des trous du cul sur pattes. Bipède, installation verticale. Bon, quant à moi, c'est un super vendredi saint. Tout ira bien dans mon espace-temps. Dans l'esprit, si tu veux, le temps et l'argent n'existent pas. Non, le temps n'est pas de l'argent. De l'espace-temps. Supprimons l'argent et il nous restera le temps de vivre notre espace. Pas compliqué. Tous les trucs qui brillent, les machins à poufias, les belles salopes là, non, c'est fini tout ça. Faites des partout autant que vous voulez, mais pas avec les sous du contribuable. Pas sur des petits zodiacs à la Bernard Tapie, en océan.
Ouais. Tous les abus. Ouais. Moi, mon parti, c'est l'humanisme. Directeur d'induction d'énergie universelle. Multiple de 7, pour ça que je suis assis au 35. 35 boulevard Riquier. Important. Là, on va passer en septembre. Que tout le monde arrête de payer les impôts, les PV, les machins. Tout le monde en même temps. Au moins pour une fois, ils auront du boulot, tiens. Allez hop, ici envoyé spatial. C'était pour le 13h. Un petit message interplanétaire vite fait. Intergalactique. Même. Je suppose que dans les autres systèmes solaires, ça doit être à peu près le même tapin. Voilà, voilà, voilà. Pache salut. Inch'Allah, men. Kirai. Tout ce que vous voulez. Le Cattleman. On va aller voir Tata. Spider-Man, il a tante May. Cattleman, il a Tata l'oracle. La boule de feu, elle est rentrée chez elle. C'est tout, c'est comme ça. C'est l'étoile de Saint-Michel Berger qui m'a dit. L'étoile de Saint-Michel Coluche aussi. Même celle de Balavoine. C'est l'évangile de Daniel, c'est pas pareil. Non, il avait un peu parlé mal à Mitterrand, ben, il est mort aussi. Coluche, pareil. Allez-vous comprendre que c'est machiavélique? Vous êtes déjà tous numérisés. C'est pas ça la vie sur Terre. La nature va reprendre ses droits. Vous intervenez pas, nous sommes tous dépositaires d'une parcelle de l'âme du Seigneur. Moi, je vais vous en mettre une de disquette, ça va pas être pareil. Hein. Enfin bref. Conclusion. Merdicum profondares. Je suis toujours de l'ordre des insultus de sous-merditus. Insultus de sous-merditus. Et franc-maçon, de quel ordre êtes-vous? De quelle loge êtes-vous? De quel... pour l'église. Moi je suis pour le nouveau monde mais pas le nouvel ordre mondial, c'est le contraire. Et toc.